Ben me voilà encore en forêt. Écoutez les merles et les petits oiseaux. Il n'y a rien qui vaut une bonne promenade matinale. Ça, j'adore. Alors c'est un petit bout de la voie vive là. Je vais bien voir où ça me mène. Hein. Quel bonheur! Quelle senteur, surtout comme ça le matin de bonne heure. Il y a toutes les bonnes odeurs de la terre humide qui remontent. Parce que c'est vrai que il a plu hein, les copains ici. Hein. Et voilà, une fois de plus, bah, il faut que je sois dans les bois, c'est plus fort que moi. Je suis un homme des bois, et puis c'est tout. Bon là, on arrive à un embranchement de deux chemins, donc bah, si on veut suivre la voie vive, il ne faut pas prendre par ici, à gauche, mais plutôt par ici, à droite, et d'ailleurs, ça vous l'indique sur le premier arbre, là. Donc avec ce balisage, vous ne pouvez pas vous tromper, en plus c'est bien marqué voie vive. En dessous de la flèche, et puis les deux ronds, là. Bon par contre, hein, c'est la jungle, hein, c'est un peu sauvage, hein. Et c'est ce que j'aime, hein. Tout petit chemin. Bon, par contre, faut pas avoir peur de se mouiller les godasses, hein, c'est la rosée du matin. Viens. Et ben, on est toujours sur notre voie vive, hein. Même s'il n'y a pas des panneaux toutes les 5 secondes. Je viens de par là. Là, vous traversez sous la ligne à haute tension. Et puis vous reprenez en face. Oh putain. Quel goût. Oh, mais regardez-moi ça. Mais c'est un goût, c'est exceptionnel ça. Et il y en a tout le long du chemin ici. Oh putain. Exceptionnel. C'est autre chose que toutes vos fraises à la con là. Ah voilà. Donc ça veut dire qu'il faut déjà grimper jusqu'ici pour déguster ça. Alors quand tu as fini d'avoir la gueule dans la mousse, dans les fraises, tu te relèves et ben, y a bien le panneau voie vive, donc tu continues par là. Alors là, cruel dilemme. Il est 8h30, dilemme c'est pas un mot qu'on emploie toutes les 5 secondes, surtout le matin à 8h30. Vais-je à droite ou vais-je à gauche? Eh ben tu vas à gauche, parce que tu as un petit poteau là, à côté de l'arbre où il y a un signe rouge, là, tu as un petit poteau, la voie vive, donc tu continues par là, et puis c'est tout. Donc là, le poteau, il est un peu planqué par la végétation. Et puis ton beau petit sentier, ben, il continue par là, copain. Alors ici, ben, c'est bien praticable, hein, parce que t'as pas trop de cailloux, c'est de la terre. Voilà. T'as qu'à suivre ton chemin, et puis c'est tout. De toute façon, il n'y a pas de doute possible. Hein. Tu suis ce chemin-là, puis tu vois, c'est bien indiqué. Bon là, c'est pas des fruits, hein, les copains. C'est des petits rubans, des petits amoureux qui sont passés par là, avec un bouquet qui a flétri d'ailleurs. Mais voilà un bon bout de roche, là. Hein. Et puis, ben, on continue tout droit, là. Hein. On passe dans les sous-bois. Donc très joli aussi, et puis au moins, l'été. Quand il fait vraiment bien chaud, parce qu'aujourd'hui c'est encore pas ça. Hein. Enfin bon, il pleut déjà plus. Donc quand il fait bien chaud, bah, tu passes là, à l'ombre, et tu te refais une santé, bonhomme. Bon, ben c'est pas tout ça, mais ça fait déjà 1h30 que je marche, et j'ai envie de pisser, et puis c'est tout. Voilà. Donc je vais aller donner des sels minéraux aux petits animaux, des bois qui en ont besoin. Tout ce qui est dans les bois, hein, ça va du cerf au sanglier, en passant par la fourmi, les limaces et tout ce que tu veux. Mais il faut que je pisse. Bon alors, faut être curieux hein, dans les bois, faut fouiner à droite, à gauche, hein, parce qu'il y a des sentiers qui partent de partout. Hein. C'est un coup à paumer le canard, ça. Et puis voilà, donc là, en progressant sur la gauche, eh ben, y a une belle découverte. On a eu de la pierre, et puis je vais aller voir au bord qu'est-ce que c'est que cette éclaircie. Alors là, c'est un cheminement de retour.
Oui, bah alors là, il y a pas de barrière, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Et c'est la gueule, la gueule au fossé directement, hein. Ouais. Ah bah oui, ouais, c'est un toboggan, là, le truc. Vache. Oh, la descente. Ah oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors c'est marrant parce que les bourdons vont dans les fleurs de digital. Et eux, ils ont l'air de se régaler. Par contre, si on allait là-dedans, nous, je te dis pas la gueule. Hein. Mais oui, mon copain. Sur un panneau comme ça, quand la flèche se dirige vers la gauche, ça veut dire que toi aussi, tu te diriges vers la gauche. Quand la flèche est en haut, tu vas tout droit, et quand la flèche est à droite, tu vas à droite. Et puis, pour finir cette belle rando, qui a duré plus de 3 heures, 3h20, voilà, je me retrouve à Dardénor pour une belle fin de rando matinale. Eh bien, mes petits copains, après cette belle rando matinale hein, qui finit à Dardénor, le soleil arrive enfin à percer en cette fin de matinée. Hein. Bon, et je vais m'en hydrater.